juste le temps de remplir le verre, puis c'est bon. Eh bah écoute, tu peux dire bonjour à la VOD pendant que tu remplis ton verre. Sur la VOD. Bonjour VOD. C'est toujours avec Dacus et Damned. Pendant que tu remplis, on va choisir. Est-ce qu'on repart au port astral ou est-ce qu'on repart au jardin de piété? Et c'est bon, c'est rempli. La bouteille était à côté. Port astral, c'est la toute première partie. On l'a parfait depuis. On l'a refait là ou pas? C'est celui qu'on vient de gagner, le port astral. Oh, on va repartir sur le jardin de piété, je pense. Ouais, jardin de piété, c'est celui où on est tombé sur le boss après, mais on est tombé sur le boss dans l'usine, donc. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, mais. Non, c'est pour le plaisir. Ouais, bah allez. J'ai bien envie de reprendre Fungi, il m'a bien plu. Ouais, moi je garderais bien. Camara. Ah, moi, est-ce que tu veux le tester? Non, tu veux peut-être le tester, Dacus? Non, je le testerai que quand j'aurai le jeu est accomplé, puis voilà. T'inquiète. Je vais reprendre Blaze, moi. Peu de ticket de feu. Allez, c'est parti. Vendux. Let's go, let's fight. Les héros morts réapparaîtront à la fin d'une vague, mais perdront l'équipement. Ah oui, c'est ça le truc, on perd notre équipement si on crève, d'accord. Oui. C'est ça, je m'étais fait enfermer en dehors de la porte et j'ai perdu tous mes équipements. Oui, c'est la particularité, oui. Oh, stylé le début là. Ouais, c'est classe, hein. Franchement, les niveaux ils sont beaux. C'est beau. Bon bah. On est chaud, on est chaud patate. Allez, petite industrie. Ouvre là, ok. Oui, j'enchaîne. Un coffre. Une arme de poing. Eh ben, c'est pour toi, t'es tout seul. Tu l'as testé celle-là? Faut le charger, hein. Voilà, là c'est trop chargé, il faut que tu fasses à peu près une demi-seconde, tu lâches. Ouais, faut que tu trouves ton rythme pour voilà. Pas besoin de charger plus. Une fois qu'elle est chargée, tu lâches. Tu peux pas la charger plus. Mais il faudra que t'arrives à trouver ton rythme de jeu. Ouais, je vois. Par contre elle fait mal hein. Et elle passe à travers aussi. On va peut-être quand même mettre quelques tourelles là. Oui, vas-y. Hop. Tremble oppressors. On va mettre un peu de bouffe, allez. Parce que c'est bien. Ouais, comme dans Dungeon of the Endless, hein, tant qu'on n'a pas trouvé la science, ouais, c'est nous, pas la peine. On avait trouvé la science. Ouais, on avait plutôt une autre technique, nous en général c'était plutôt en général deux industries, une bouffe, une science. Mais Dungeon of the Endless avait un gameplay un peu différent quand même. Ouais. Tir d'acide ou... Bah tir d'acide il sera utile plus tard, mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Y'a quoi d'autre? Bouclier ou alors une tourelle qui attire les monstres et absorbe les dégâts. On l'a pas fait, ça c'était Lolo. Alors j'étais pas très fan moi dans Dungeons of the Endless de ce truc là. Ouais, je suis pareil, bon. Lolo Hero, je suis pas hyper fan. Je t'assure rien de tir d'acide pour voir. Ça a longue portée, ça fait des dégâts radioactifs. Allez hop. Vas-y, allez, ah là là. Let's go, comme ça on aura vu de la variété. On débranche le cerveau, on le pose à côté de soi. Et c'est parti. Ah, il a bien débranché le cerveau jusqu'au bout. À quoi? Il y a la bave, il y a tout. Hein. Ouais, je suis pas fan de l'arbalète. Hein. Faut que tu trouves ton rythme. Mais elle est. En fait, là, elle va pas être utile. Mais quand il y a des longues. Enfin, quand il y a du monde. Ça passe vraiment à travers tout le monde. Ouais, bah tu vois, par rapport au. Enfin, là pour arrêter les gros tas, c'était pas oufissime quoi. Oui, non, bah après. Ah oui, enfin, elle a une belle portée la tourelle d'acide par contre. Vache. Ah oui, ah la vache, oui. Alors après, moi c'était une version peut-être un peu plus améliorée, mais tu vois ton arbalète là. Contre les gros là, tu sais, les gros robotiques qui ont une épée. Ouais. Deux coups, je l'ai tué. Ouais, là j'ai essayé contre ceux qui étaient ceux qui roulent là et c'était un peu limité. Mais peut-être que j'avais une un peu plus puissante, un peu plus. Parce qu'après t'as toujours les couleurs, enfin je crois qu'ils ont toujours mis. T'as toujours le délire des couleurs, si elle est verte, bleue ou violette, elle fait plus mal. Bah t'as les différences de dégâts, ouais. Alors là il y a un truc qui augmente le recul et sinon c'est de l'arme lourde donc c'est pour vous, je vous laisse regarder. Fusil à rayon, dégâts lumineux élevés, lents et à longue portée ou un pulse arg, dégâts lumineux de. Zone à courte portée. Alors ça c'est vraiment pop top. J'ai essayé. C'est un peu comme l'arbalète, faut que tu la charges. Sauf que le problème c'est que c'est vraiment hyper proche quoi. D'accord. Ouais bah alors ouais. C'est pour aller courte portée, elle s'est tendue, hein, franchement. Ah.
Ouais. Ah, on a un plan. Ouais, on a même 4 plans. 4 plans, ouais, je sais pas pourquoi 4, mais bon. Ça nous l'avait fait dans l'Open Dev 2, des fois ça bug, c'est en mes 4 au lieu de 3. Plan récupéré, rapportez-le à l'atelier. Il me dit que j'en ai eu 2, cela dit. Hein. Ah non, il en reste 2, 2 pour, pour Dacus. Ah ouais, alors ça doit être ça. Tu l'as pris du coup le truc, ouais? Ouais, je l'ai pris, bon. Bah tu vas voir, je trouve franchement pas ouf, moi. Et bah, moi prends le deuxième, Dacus, prends le deuxième. Trop tard, ah oui. Ah oui, j'ai pu prendre les deux. Ouais, ouais, je pense qu'on peut en avoir deux. Ah, ça j'aime bien, après c'est lent, hein. Oulala, que c'est lent. Ah, mais au moins c'est à longue portée quoi, le truc de Dacus c'est lent et en plus faut que tu sois proche, donc c'est chaud du cul. Hein. C'est ça, alors il y a un truc pour le cristal là. On le lance en même temps que la vague. Allez, vas-y, let's go. Y en a en haut. Ouais, moi je vais rester par là. Ok, je vais gérer en haut. En espérant que je gère, hein, bien sûr. Oui, la porte. Ok, ça fait mal hein, quand même. C'est long à tirer, mais putain, ça fait mal. Hein. Aïe. Garde à cul, je te soigne. Ouais. Ouais, je vais reprendre mon arme parce que ouais le truc... T'as vu c'est bizarre hein, il est lent à charger et bon après il fait des dégâts mais... Ouais il fait des dégâts cher, hein, mais... Par contre, moi je prends cher oui. Bordel. Oui moi je vais... Je vais me replier sur Damned. Bon je vais éviter... Ça va aller mieux je pense mais là. Mais moins que... Attends je lance un petit... Hop là. Oh, c'est bien ça. Oui merci j'étais un peu... J'ai vu qu'il fallait l'améliorer, mais mon cerveau ne voulait pas appuyer. C'est toi qui dois le déposer si tu ouais, veux. Ouais, ouais, j'y vais. Ouais. Ah, on sent que le build truc de flamme il était quand même bien. Ouais, les flammes c'est cool hein. Bon, après la tourelle acide elle fait le taf. Oui, non, y'a pas de soucis. Je peux pas dire le contraire et des potes quoi. Bah c'est comme on tire laser, hein, il fait mal, mais alors qu'est-ce qu'il est long à charger. Ah mais au moins t'es pas obligé de faire du hit and run comme... comme non, c'est sûr. Bon, on va aller voir les améliorations quand même, hein, parce que est-ce que ça va être utile. Allez. Bah Damned, t'en as pris plein tes fesses là, t'as plus de vie. Bah oui. Ouais, encore, je l'ai bien remonté. Hein. Ajoute 75% de défense au robot lorsqu'il se trouve dans un emplacement. Pourquoi je peux pas viser Dacus? Les pièces dans la salle du robot font plus mal. Non, c'est sa vitesse, hein, on est d'accord. La vitesse, c'est bien, ouais. Nous sort là. Et on peut claquer de la science pour réinitialiser, c'est les trois choix aussi pour le. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite recherche? On peut prendre le tireur level 2. Sinon, le diagnosticateur qui répare les tourelles, ou alors la confitourelle qui ralentit. Level 2, hein. Pour le canon d'acide là ou le canon classique? Non, pour le canon classique. Oui, vas-y. Vague en approche. C'est l'idée. Non, après, y'a pas à chier, hein, le canon que j'ai, il défonce, hein. Oula. Faut pas rater le tir, quoi. Dès que j'arrive. Wow, ils font si mal. Vas-y, je peux gérer là, hein, ça va aller. Bah, moi, je fais des allers-retours. Oui, bah, on sait que t'es rapide. Bah, je trouve que je suis pas si rapide, justement, par rapport à tout à l'heure. En plus, il faut quand même que j'ai des âmes pour. Ouais, t'avais peut-être claqué des améliorations pour être plus rapide aussi, non? Ouais, j'avais des améliorations. Il y a moyen, ouais. Mmh. Là, ouais. Mais en plus, faut que j'ai des âmes pour soigner. Pour avoir des âmes, il faut que je tue des ennemis, donc du coup. J'ouvre à côté de la science. Yep. Je m'étais permis de claquer le dernier truc pour prendre le recul, du coup. C'est quand même pas mal. Y avait un truc d'amélioration? Le marchand ah oui le marchand oui c'est vrai il restait un truc augmente la défense du héros quand je suis en train d'upgrader une tourelle ouais c'est un petit peu circonstanciel comme ça quand même. Ajoute 50% d'efficacité à la compétence ultime ça me paraît bien ça et bonsoir Tonch salut Tonch bienvenue sur le live yop c'est la dèche d'industrie hein. Ouais. Ah, on pourrait débloquer le lance-flamme. Hmm. Ah, en science? Ouais.
Ouais, allez. C'est le moment, il faut y aller. Attention, parce qu'il y a une nouvelle zone, hein, par contre. Ouais, je reste là pour aider à la gérer. Je t'avais claqué avec le peu d'industrie qu'il y avait au moins une tourelle en soutien. J'en ai mis une deuxième, il y avait la place. Putain, les gros tas là, j'ai tellement de mal à les buter. Allez, c'est bon, il est mort. Attaque sur terminal de recherche. Ouais, ouais, j'arrive. En vrai, je pourrais bien vous aider parce qu'en bas, il gère tout seul, je sers à rien en fait. Bah moi ça va, les deux tourelles de tir, moi, elles arrivent à s'en tirer là. Il y a un truc qui est passé, tiens. Ouais mais c'était un gros, je l'ai one shot direct avec mon canon par contre. Tu as parlé trop tôt. Bon bah tranquille hein. Voilà, bah un petit lance-flamme ça va aider dans le coin. Hein. Ouais, je vous laisse faire. Par contre l'industrie c'est la dèche. Faut ouvrir de la porte là. Ouais bah let's go. Il y a moyen de prendre une amélioration si quelqu'un veut aller voir par contre. Ouais, je vais y aller, je crois que je n'ai pas encore prise. Tu tires sur quoi? Ah, tu tires sur rien. Okay. Merci. Tu fais quoi? Tu fais. Tu sers à rien, d'accord. Tu fais que dalle, ok, non, mais très bien. Tu fais que dalle. Là. Comme d'habitude, en fait, très bien. T'es toujours aussi inutile, très bien. Non, mais je. À un moment, j'ai eu un doute, mais en fait, non, je suis rassuré. Je me suis dit, putain, t'es utile! Ah non. Je vais construire le truc de science d'industrie supplémentaire. Hein. Je pense qu'on en aura besoin. Oui. Et là faut que je mette du lance-flamme parce qu'il y a de... Il y a un spot, parce qu'il est passé. Putain, on a tellement rien, on a tellement pas de ressources. Non. Bah écoute, on va ouvrir une porte de plus hein, du coup. Oui, vas-y. Au moins en mettre un quoi. Oh, t'as une grande salle avec au fond t'as du monde. Ouais. Donc ça veut dire encore... encore un spot, ouais. C'est chaud là. Ouais, ça devient compliqué là. Il y a un truc pour acheter des kits de soins mais bon. Bon j'avance hein. Merde, je suis pas parti du bon côté, je voulais te rejoindre mais... Ah, des petites caisses à casser. Et je m'a trompé. Bah du coup t'as pas été dans la petite salle, je sais même pas ce qu'il y a dedans finalement. Ouais j'y vais. Ouais. Mais bon... Ah un coffre quand même hein. Ah oui un coffre, voilà. Oui, pardon, je pensais que t'étais sûr d'avoir rentré dedans mais... Et il y a un aiguillon, c'est pour toi du coup le signe, c'est j'arrive. Ça fait du poison je crois. Bah là il y avait un autre coffre avec un truc acide, qui donnait 20% de bonus de vitesse donc je vais... Ah ok, ça va être chaud. Par contre putain c'est con parce qu'on a de l'industrie, on pourrait mettre des petites améliorations... Mais ça va être chaud. Ça va se faire. Juste le dire, ça va être chaud. Moi je pense que ça va se faire. Je fous un lance-flamme juste là pour arrêter un peu ce qui s'approche. Il n'y a pas de spawn, non. Ah, ça y est. Ouais, il n'y a pas à chier de lance-flamme, ça aide, hein, putain. Ah bah ouais, carrément. J'en ai mis un là pour essayer d'aider là. Mais t'as vu quand je fais un tir et que je touche, par contre, c'est. Voilà. Lui, je one shot normalement. Bah, je le dis, je te regarde, mais touche-le. Ouais, c'est fait. Nya nya nya. Pourquoi le cristal prend des dégâts? Ah, ouais, il y avait un truc qui était passé, merde. Bon, ça va. Ça reste, ouais. On a eu pire. C'est supportable. Il y a de quoi aller prendre une amélioration si vous voulez. Et je pense qu'il reste une salle, mais c'est pas plus, hein. Pas beaucoup plus. Ouais bah vas-y Dacus, je te laisse aller voir. Je suis pas allé voir moi mais bon. J'ouvre la porte. Ça me coûte que 15 donc il y aura certainement un truc que tu pourras prendre. Ah. Ok. Tiens, il y a un truc à connecter là. Je sais pas pourquoi faire parce que a priori... Ouais si, c'est faut... bizarre. Faut peut-être... Ah, non c'est pour lui... Bah c'est pour lui mettre un chemin. Ça veut dire que c'est par là et que c'est pour faire un chemin pour plus court en fait. Que tu fasses en deux fois. Parce que c'est vrai que ça lui fait pas mal de salles à traverser s'il y a encore une salle après. Bah je suis sûr que bah ça donnerait de bonus d'industrie, ça donnerait de l'industrie si on l'envoie là. Non, pourquoi pas. Ouais. Ton choix il est très sympa en multi, je suis d'accord. Moi je suis pour l'envoyer là. Ok bah attends je vais voir mon amélioration quand même parce que hein, bon. 25% des dégâts d'attaque aux camarades tourelles, ouais, 12% de cadence de tir. Ouais, on va prendre ça. C'est quand vous voulez. OK, j'active. Donc sur le truc intermédiaire, on est d'accord hein. Ouais, bien sûr. Ouais. De toute façon, je reste dans la salle intermédiaire entre les deux salles là pour couvrir. Fais gaffe, ça va passer chez toi. Il y a un gros qui le passe. Gros, je m'en occupe. Le gros, je m'en occupe, t'embête pas avec. Je vais venir commencer à venir t'aider parce que ça déborde.
moi là-bas ça va. Moi ça va là, je gère avec mes deux lance-flammes. Ça déborde, mais je veux dire bon. Il passe. Voilà. Ah oui, je prends. Je crois que j'en ai énormément besoin, mais je prends. Ça commence à arriver par l'autre côté. Hein. C'est bon, ça va le faire. Trop tard. Ah, je tourne du chien dans les tourelles, bordel. C'est bon, je l'ai eu. Cassez-vous, cassez-vous. T'en sors, Dacus, ça va? Tu veux un mensonge ou tu veux la vérité? Bah, tant qu'à faire la vérité. Bah... Ouais, parce que... Si tu nous mens, tu vas nous dire la vérité derrière, donc... On a perdu, non, on a perdu un générateur, mais ça va, quoi. Ouais, bon, écoute... Bouge ça pas, Dacus. Nice. C'est aller ouvrir en bas pour voir ce qui se passe. Nice. Non. Ah bah c'est la salle finale après. Oui, ouais, c'est la salle finale après. Ouais, ouais. Tout à fait. Bon, bah on y va dans la foulée. Bah ouais. Mis à part que faire autre chose. Non. Là tout de suite non. Je me souviens plus si la salle non éclairée, il y a de la vague qui sort de là. Non. Non, on a non, je crois qu'il y en a pas. Non, c'est bon, il y en a pas. Merde. Ah, je me suis paumé. Ah. T'es porté au cristal? Ah, mais oui, j'y ai pensé après. Eh bah oui. Le réflexe n'était pas là. Ouais, je vois bien ça. Ah, le gros là, je m'en occupe. Ouais, bon, c'est pas grave au pire. Hein. Non. En vrai, j'utilise jamais. Blaze là. Il y a des durs à cuire sur le générateur. Il y a des durs à cuire sur le générateur. Ah, et la tourelle, elle fait plaisir. Hein. Ouais, je l'ai très mal positionné par contre. Mais ouais. C'est chaud de la bien la placer, mais elle fait plaisir. Venez là que je vous soigne. Allez. Ah allez, non, putain, je suis pas chargé, pardon, excusez-moi. Ah, bah d'accord. Bah, branche-toi sur le 220. Another zone will fall to our cause. Et open! On se replay! Recule un peu, Damned, je suis pas confiant sur le hitbox de la porte. De la porte? En vrai, t'as pas tort! Oh, on a pas réussi à voir le cristal indemne, c'est dommage. Bah non, parce qu'il avait pris des dégâts. Ouais, je sais, on n'est pas passé loin, mais. Eh non. Bon, après. Oui, c'est pas fondamental. Puis vu que ça file que des trucs pour toi, on en a rien à foutre, nous. Je vois. Voilà. Il y a deux zones. Deux emplacements, ouais. Et ça, c'est classe. Ah, et même de la dust. Ouais, allez, nickel. Bah, nickel, ça. Oh, les graphismes sont quand même super. Ouais, il est beau. Hein. Y a rien à dire. Et un coffre. Encore une arme lourde. Canon électrique. Faites-vous plaisir. C'est le même, non? Ah, je pense que là... Ah, celui qui se recharge. Ouais, mais du coup, vous êtes deux, donc faiblesse... Ah, c'est dommage, ils sont faibles contre l'électricité, pas contre l'acide. Ouais, vas-y, je vais garder celui-là, moi. Si tu le veux. Faut le charger, c'est... Bon, faut prendre la vie. Ouais, mais c'est toujours mieux que l'autre, quoi. Ouais, le... bah, je t'ai prévenu, hein, le petit lumière, franchement, il est limité, quoi. Ah, recherche. Qu'est-ce qu'on a? Réduit... Bouclier... confitourelle, réduit la vitesse de déplacement... Ouais, la confitourelle, ça reste un must-have, hein, je pense. Ouais, c'est pas faux. Allez, de toute façon, bon... No brain, tout ça... Ah, il passe quand même. Ouais, vous avez un peu d'électrique, non? Oui. Ouais. Je lance un soin. Sur le papier, en tout cas. Ah, cette tourelle, elle est chiante, elle fait tellement de dégâts. Bah, c'est bien. Non, mais... non, la tourelle ennemie, je parle de... Enfin, c'est un robot qui se pose, qui devient une tourelle et qui mitraille tout ce qu'il y a dans la salle. Et ça fait mal. Et après, bah, on n'a plus rien d'intéressant. Donc je vais réinitialiser. Et après, on pourra faire soit de l'acide 2, soit de la confitourelle, mais il faudra 20 de science. Donc c'est pas tout de suite. Et on est tellement dans le mal en industrie aussi. C'est ouf, quoi. Ouais. Bah ouais, hein. Ça tout coûte cher. Hein. Un coffre. According to my needs. What? Feu de camp. Dégâts de zone à courte portée autour du héros. Oh la tronche du truc. Tête. Oh la Mais what? Ah, c'est énorme. Ah ouais, c'est courte portée, quoi, par contre, hein. Ah mais c'est trop classe, quoi. Franchement, la gueule du... le chalumeau à arc, quoi. Ah ouais.
elle est trop classe l'arme quoi. J'avoue, elle est... celle-là elle est bien classe, ouais. Mais ouais, bon, elle est devant, dessous, ouais, trop bien. Ah ouais, putain, c'est bon bah écoute, on verra bien hein. C'est quoi, c'est une Gatling que t'as laissé? Ouais, je vais prendre la place de mon arme principale. Ah, elle est tellement classe, ouais, putain, j'avoue. J'ai mis deux lance-flammes là, ça devrait faire le taf. Wouhou. Y'a un truc d'amélioration là. Je peux faire lance-flammes aussi hein, si besoin. alors, tu as tu as différentes ressources pour différents bonus. Alors en fait, chaque ressource... Ils sont ici les ressources. ...sert à quelque chose. Ouais. L'industrie nous sert à construire d'autres modules qui nous permettent de gagner plus d'industrie, de science et de nourriture à chaque fois qu'on ouvre les portes, d'où le plus à côté. Ça permet aussi de construire tout ce qui est tourelle, etc. La nourriture nous permet de monter le niveau des personnages et d'acheter du soin. Et la science nous permet de débloquer de nouvelles technologies, donc des nouvelles petites tourelles qu'on peut placer. Voilà, en gros. Il y a un truc pour vous améliorer d'ailleurs là. Si vous... les miens sont vraiment pas ouf, donc si vous voulez en prendre un, ça vous plaise. Eh ben, j'irai le faire après, mais du coup, pendant que je faisais papotage. Il y a déjà un ennemi qui est sorti, mais elle est pas censée être. Non, c'est parce que t'as ouvert une porte. Ouais, voilà, j'ai ouvert une porte. Waouh, 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 je me fais dépasser là. Par contre, ouais, j'ai clairement pas les DPS. Ah putain, ils sont passés les. Les petites saloperies. Ouais, ouais, parce que j'ai un bug en fait, l'arme des fois. Elle touche pas les ennemis, c'est bizarre. Ne touchez pas notre générateur, on est suffisamment dans le mal comme ça. Bon, on va tenter un truc. C'est la violence là. Cogne-toi. Ah merde, ils m'ont mis dans le mal. Ouais, les robots, on est d'accord, ils en ont rien à foutre. Merde, ils sont peut-être en train de péter un truc plus bas là. Ah. Oh, c'est une petite tourelle, on s'en fout, remarque. Non, c'est une petite tourelle, je crois. On s'en fout. Ils sont vivants, mais... on s'en fout pas. Oui, non mais je veux dire, oui. 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 Nombre limité de tourelles, non. Mais en fait, on est limité par nos ressources, hein, quand on peut plus en construire. Et sinon, les petits points blancs que tu vois, les petits carrés blancs que tu vois là juste derrière le signe, par exemple, c'est les emplacements. Là. Donc on est limité par ça, effectivement. On peut construire sur ces emplacements-là seulement. Voilà. Donc on est quand même limité, sans l'être. Voilà, en gros. Ouais, ouais, un peu chiant de cette zone là. Il y a un truc à côté du cristal, est-ce qu'on finirait pas par l'ouvrir un jour quand même? Ouais, t'as raison, ouais. Je pense que c'est bon de l'ouvrir. Exactement, sauf si c'est un spawn, bien sûr. Ouais, ouais. C'est mais un truc. Pas le cas, mais... voilà. Je mets un petit peu de nourriture. Ouais. Ah bah, il y a un cristal d'amélioration juste là. Alors, pour le coup, je pense que lui c'est cadeau. Hein. Ouais. Ouais, on faut le faire. Pour protéger ouais. Les trucs et puis c'est tranquille. Et la taille de la salle nous aide pas quand même. Ouais. Ouais. Ça c'est clair. Ça arrive vraiment de partout. Et puis alors moi j'ai vraiment pas de DPS. Oh putain. Dacus, faut que t'ailles Attention Dacus, le cristal. Ah oui merde. Viens là. J'envoie un soin à l'entrée. J'avais pas vu qu'il était collé sur moi. Ouais ouais. Putain, ils nous ont buté un générateur, deux générateurs. Ouais, je suis pas surpris là hein. Malheureusement. Là c'est chaud hein. Il y avait tellement d'ennemis, j'étais focus dessus, j'ai pas vu le... Donc oui. Le truc cadeau, ouais. Cadeau mais chaud quoi. Merci. Ah dommage. Alors qu'est-ce qu'on a? Plus 1 de nourriture, plus 1 de science, et voilà, ça va être ces deux là. Donc on va prendre le 1 de nourriture. Bah du coup on peut continuer d'ouvrir à côté ouais. Du cristal. Hein. Ouais, ouais, bon, on peut continuer d'ouvrir là-bas. Ouais.
Putain, il va vraiment falloir faire quelque chose. Je pense qu'il va falloir ralentir dans cette salle-là, parce que ça va recommencer. Réduit la vitesse de déplacement, oui. Ah, il y a un spawn en bas, il y a un coffre. Ouais. Prends le coffre. Lance-flamme ici, ça me paraît pas mal. Des plans. Putain, il y a tellement aucun truc. Ah si, il y a quelque chose qu'on peut poser là. Bon, j'ai remis quelques tourelles dans la grande zone, hein, par contre. Hein, parce que... Bah, j'ai mis un petit ralentisseur là, mais bon, c'est pas bon. On a même pas de quoi mettre un. Non. Il y a un truc pour toi, Damned, si tu veux. Ouais. Bon, ce qui est bien, c'est que moi, c'est un cul-de-sac, donc ça s'est fait. Pourquoi il y a une zone là, il y a rien pourtant. Bon, bah, on peut ouvrir la porte qui est au nord là, éventuellement, de toute façon. Ouais, bah, de toute façon, moi, je pense qu'il faut avancer, ouais. Hein. Voilà, on ouvre les portes au moins. Hop là. Celle-là, elle est éteinte, très bien. Donc, on peut ouvrir ici maintenant. Oui. Ici, et il y aura bah, en haut aussi là. On peut mettre un module, ouais, vas-y. Je pense de l'industrie. Hein. Oui. Vas-y. Retraite. Tu vas en bas? Ok. Vas-y. Peu importe, je sais pas. Je vais y aller. C'est quoi comme type de monte? C'est les petits. C'est les acides? Ouais, bah je vais mettre en mode lance-flamme au spawn et bah basta. Ils vont pas aimer la blague. Ah ouais, ça leur fait mal quand même. La salle en haut, je gère. Par contre, je peux pas trop venir vous aider quoi. Les petits tireurs là, ils font mal aux fesses quand même. Ouais, ils font mal. Ouais. Hein. Un peu triste. Mais bon, ça va. Ah oui, du coup, alors le défaut de l'arme, c'est que si tu te colles au corps à corps contre une créature, vu que tu fais un cercle de feu et que la créature est au milieu avec toi, elle prend pas de dégâts. Mmh. Donc faut tout le temps être en mouvement, quoi, pour être sûr de toucher. Normalement la vague est terminée en haut hein. Ouais, il reste qu'un. Vite, le plus. C'est bon ? C'est bon. Passé ? Il est passé, il a survécu. Bah vas-y, on va continuer là, hein. De toute façon faut. Je sais pas si c'est mieux par là, mais bon, de toute façon, hein, faut bien voir. Hein. Ce sera fait. Ouais. Bah, c'est un cul-de-sac. Soit là, mais ouais. C'est un cul-de-sac. Direct l'araignée là. T'aimes beaucoup la bouille de Fungi, elle, je la trouve sympa Fungi. Ouais. Je pense que ouais, là on peut mettre un ralentisseur et un lance-flamme dans la foulée. C'est exactement ce que j'allais te proposer. Mais on est vraiment en déj d'industrie hein, sur cette map, la vache quoi. Bah on en fait partout en fait, il y a plein d'endroits donc on en fait plein, bah voilà, ça coûte cher. Hein. Je vais chercher quelques améliorations. La sortie ici. C'est vrai ? Ah bah elle est pas loin. Ouais. Je pense recherche, que ça va être. On pourra voir le tir d'acide level 2 éventuellement, mais. Ouais mais non. Ça me paraît chaud. Tu peux m'enlever, vous avez pas assez de kit de soins là. Je sais même pas si on ouvre l'autre salle en vrai. Enfin, ça aurait été bien mais Allez, 50% d'efficacité des soins, on... ça me paraît bien. C'est ok, parti. Vous êtes chaud? On lance le cristal et dans la foulée on ouvre la porte. Y a une... Allez, ouais, t'es prêt à ouvrir la porte? Je suis prêt à ouvrir la porte qui est là. Ouais, vas-y. Et bah let's go. C'est la dernière, ok parfait. Je vais à côté du cristal, ça va passer dans la grande porte, hein, direct. Ok. On peut l'améliorer, ça fera une zone un peu plus grande. Je vous laisse, je suis pas à côté du cristal, mais j'empêche les vagues d'arriver pour le moment. Le cristal, il est dans la, ouais, dans la dernière salle. Je le couvre s'il faut, okay. Mais je pense que ça va le faire. J'arrive. Elle a l'air bien ton arme d'Acus. Ouais, c'est la Gatling, c'est... Je pense qu'avec un bon recul, en améliorant le recul, il peut bien péter quand même. Hein. Ouais. Il a une bonne cadence. J'envoie un petit soin, tant qu'à faire, histoire de se booster. On comprend. Ouais, ça va, franchement, on s'en sort bien au vu de la salle. Hein. On s'en sort bien. Ouais, c'est clair que c'était tendu, hein. Placement vers ascenseur. Alors, notre petit ascenseur. Alors,
Oui, score, on sait. Étage terminé. Alors. Ce sera bah, usine stratégique ou colonie de travail. Hein. L'avantage, c'est qu'on n'a pas le choix. Ça me stresse quand il y a trop de possibilités. C'est bon, tout le monde est là. Alors, c'est parti. C'est parti. Zébardi. Bah, colonie ou usine. On va reprendre l'usine. Donc, on peut bien y aller. Ah non, on était au jardin, c'est vrai. Au jardin, on peut aller à deux endroits. Ok. Ouais. On va retourner à l'usine, ouais. On va voir si ça refait repopper le boss ou pas. Ouais, oui. Et du coup, il y a une recette à prendre qu'on n'avait pas pu choper parce qu'on ne l'avait pas fait, mais... Alors, je sais pas si du coup, le boss qu'on a vu, c'était le boss à débloquer, mais je pense que oui, hein, parce que... Il n'y en avait pas avant, donc... Bah, on était pas tombé dessus avant. Alors peut-être qu'il y en avait déjà, mais on n'était pas tombé dessus. Ouais, j'étais jamais tombé sur un boss dans une open dev, moi. Et je les vois mal en proposer plusieurs dans une open dev, mais bon, après, je ne sais pas. Ok, je propose de laisser la porte entre les deux pas ouverte. Ouais. Pour l'instant. Ah, on n'a pas de quoi éclairer la salle, par contre, ça c'est chiant. Ah ouais, putain, alors qu'on en avait plein avant, dommage. Ouais. C'est marchand. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'il a le marchand? Il vend des trucs en dés. Ajoute 30% de chance de coup critique à ce héros, réduit de 2% les dégâts d'attaque de ce héros. Augmente de 15% les chances de coup critique contre les monstres dont les PV sont au max, situés dans un rayon de 10 mètres. Okay. Ajoute 20% de chance de coup critique si aucun autre héros ne se trouve dans la même pièce. Ouais, c'est bizarre. Je voulais jeter un oeil, mais c'est bizarre, je trouve. Ouais, augmente 30%. Ouais, c'est vraiment ouais. C'est en gros prends mais ça va modifier ton gameplay quoi. C'est ça. Bon, j'ouvre la porte du cristal. Ouais, vas-y, je suis avec toi. Et un générateur. Coucou. Et le deuxième direct. Moi j'ai pris le truc de 20% de coup critique s'il y a pas d'autres héros dans la pièce. Bon. Ok, parce on a le premier spawn qui est là. À un moment donné, on va être splitté. Bon, je me suis dit que ça pouvait être. C'est quoi cet héros? Avec un coffre, une salle non éclairée aussi. Ajoute 50% de poussée à ce héros si aucune tourelle ne se trouve dans la même pièce. Bah écoute. Pour la Gatling, éventuellement. Ouais. Il n'y a pas de ralentissement. Le ralentissement, on pourrait le mettre là. Encore que. Ok, j'ai trouvé le truc qui déverrouille toutes les portes. Plus un monstre. Plus un truc de spawn. Je crois que ceux-là ils sont faibles contre l'acide. Hein. Exactement. Ok, parfait. On va leur mettre quelques petites tours à l'acide. Mais les pas forcément toutes prêches parce que. Elles ont une grosse portée donc. C'est vrai. Maintenant que tu le dis. Bon, bah pour ici, je pense qu'on n'ouvre pas plus. Non, pour l'instant, je pense que ça le fait. Puis on peut aller ouvrir. Ouais, c'est parti. Coupure. Ok, vas-y, le signe, ça devrait aller vite, hein. Ouais. C'est bon, s'allumer. Ok, il y a déjà un nouvel emplacement pour déplacer le cristal, là. Donc on peut le faire, c'est tout droit, hein. Pour le coup, là, il y a aucune difficulté, hein. Il y a peu de chances qu'on soit l'autre, où il y a la porte verte, là-bas. Il n'y a rien d'autre à refaire, donc... Et on a chopé une dust. Ah. Enfin, une brume du coup. Il y a le grotté avec son épée là. Je reste avec le cristal. Hein. Si vous tentez que c'est tendu, vous fuyez. Ça devrait aller. Ils ont réussi à passer nos tourelles, mais. Il y a aucune, il y a aucun module. C'est ce qui est pas une bonne nouvelle d'ailleurs, mais. Ça veut dire qu'on galère. Et c'est connecté, c'est bon. Donc on peut laisser le petit bot tranquille ici et puis descendre ouvrir la porte verte en bas. Il en vole à ma vie. C'est vrai que j'aurais pu vous laisser des tourelles avant de partir quand même. Tu aurais pu, mais tu nous as laissé dans la merde. Voilà. Je vais les mettre là en attendant. On a des tireurs de niveau 2 quand même, j'en mets un petit. Vas-y. Je vais aller ouvrir la porte qui est en bas, on va laisser le cristal tranquille. Pour le moment, tant qu'on peut, en tout cas, je pense que ça va pas durer longtemps, mais ouais,
Bah voilà. C'est parfait. Tac. On est content. Non, on est pas content. On poursuit. Et en plus, c'est dans le noir. Voilà, comme ça. Ah, faut mettre des défenses derrière. Ah non, c'était pas dans le noir, pardon. Ouais, on va mettre un petit truc pour ralentir là. Vas-y, je te laisse gérer. Un tireur, on a plus d'industrie. Donc voilà. On n'ouvre surtout pas les portes pour le moment. Comme ça, ça leur fait qu'un seul couloir qui n'est pas éclairé d'ailleurs. Mais bon. Ça va. Du coup, il y a que ces portes-là à ouvrir. Hein. C'est ça. Ouais. Bon, voilà, allez. Let's go. Un emplacement. Je remets un peu d'industrie, ça vous va ? Oui ! Oui, ah, oui, oui ! On est vraiment en PLS. Ouais, ouais, c'est compliqué. Hein. Une grande salle avec spawn. Pas de lumière. En plus. Est-ce qu'on l'allumerait pas celle-là ? Si, je pense que c'est. Ouais, bien possible. On aurait peut-être dû ouvrir la porte avant histoire d'être sûr. Oh, vague en approche. Bon bah du coup je mets une mitraillette, tant pis. Et je me suis pris une petite amélioration, mais bon, avec tout ce qu'on a on pourra regarder ça tranquille après. Mais au moins je peux mettre une troisième tourelle. Je sais pas trop où aller défendre. Je vais rester à défendre là. Non. J'aurais pu te laisser une tourelle pareil en partant, mais. Ah, j'ai une arme acide, ça devrait aider un peu, mais j'ai pas pu mettre de tourelle acide malheureusement, j'ai dû me contenter d'une mitraillette. Mais vous inquiétez pas, celui qui croit passer il passera pas, mais c'était un élite, donc plus résistant. Ça devient tendu là. On va peut-être. Non, ça va. Ah putain, il se transforme en petite merde, hein. Les trucs ils se dupliquent quand ah oui, ça se divise, ouais. Je vais avoir besoin d'aide sur le cristal là. Ok, ça arrive, je me téléporte. Ok, bah non, j'ai réussi à gérer le dernier juste avant qu'il franchisse la porte quoi. Ouais, mais c'est pas grave, je préfère être là quand même au cas où. Ouais, non, mais complètement. Je répare les tourelles. Je vais aller alors, qu'est-ce qu'il reste du coup? Bon, écoute, y'en a marre. Allez hop. Avec le recul, t'as vu comment ça les pousse? Oh là là, c'est abject. Ça les pousse en plus quoi, regarde, regarde ça. Allez oui, oh oui, ouais. Mais le truc qui augmente la poussée pour les armes lourdes, c'est abusé quoi. Ah ouais. Ah du coup pour cette arme là c'est trop bien hein. Tu peux les mettre où, tu peux les envoyer où tu veux. Vous ne passerez pas. J'aime beaucoup la phrase de Blaze là. Des bandes anglaises, des munitions anglaises, mais où est-ce qu'on est? Si vous voulez aller voir avec les. Vous pouvez prendre des améliorations, on a 61 de bouffe. Ah ouais. J'en ai pris une vite fait moi, je vais regarder ce qu'il y a d'autre. J'ai pas regardé moi mais bon, déjà j'ai la troisième tourelle, c'est bien. Ajoute 25% de vitesse de déplacement si un autre héros possède moins de 33% de sa vie, ok. Réduit la poussée, non. Et non. Bah et 10% de dégâts à chaque fois qu'il perd 100 PV. Je sais pas combien de PV j'ai. 278, ouais, non, c'est pas rentable. J'ouvre à côté, hein. Vas-y, vas-y. Ah, le truc de recherche, c'est bien, mais bon. Bon, alors, c'est que de la merde. Enfin, c'est pas que de la merde, il y a l'amplificateur quand même. Faut pas dire que c'est de la merde. Un petit amplificateur, ça pourrait peut-être aider, mais est-ce que ça vaut le coup d'en lancer une? Je pense qu'on peut gérer une vague, hein. Ah bah, ok. Je lance quand même ou ouais, c'est vas-y, mort? Ouais, vas-y, lance. Ok. Bon courage! Ouais. Je vais aller utiliser mon lance-flamme. Je vais aller en bas là pour protéger la ville d'industrie. Parce que rien que pour le fait que ça repousse. Ouh, ne passerait pas. Ah, par contre, celui avec l'épée, faut que je fasse gaffe. Hein. Ouais, celui avec l'épée. C'est un peu tendu. C'est okay, un peu juste chez moi. Et aussi. Des ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, les élites. Il y a un putain de mec avec un bouclier. Ça va rentrer dans la salle du cristal là. Ok, j'arrive. Ah, ça va, j'ai réussi à les gérer juste à temps. Ok, non, c'est bon. Par contre, il s'attaque à la. La salle pas éclairée là, elle fait chier. Il s'attaque au truc de recherche, mais je vais le gérer. Ok. Ah, ouais, parce que s'il pète par contre, on perd le truc. Ouais. Que d'élites, bordel. C'est bon, vous en tirez. Alors, on a plein d'élites, mais sinon, oui. Mais c'est juste qu'il y a de l'élite à gogo quoi. Ouf. Attendez, y'en a marre, allez! Vous ne passerez pas! Ouais, j'ai mal! Doudoun! Non, j'ai dit que tu passeras pas! Non, j'ai dit que tu passerais pas! Un petit heal juste derrière toi. Ouais, ça c'est bon ça.
Ouh, ça devient chaud quand même. Enfin, on gère, mais bon, il y a du monde. Flamme doudoune. Exactement. Ouais, exactement. Oh la vache. Flamme doudoune. Ouais, flamme doudoune. Ouais, j'avoue que c'est un petit peu short. Hein. C'est con parce qu'on pourrait en lancer une en plus. L'industrie, c'est tellement chaud. Bah, ça dit, après, on a eu deux vagues d'un coup, on a réussi à gérer, on peut s'en retenter une. Hein. Ouais. On n'a rien perdu globalement. Allez, confit tourelle niveau 2. C'est parti, je tiens ici comme d'hab. Je tiens loin. Puis on se regroupera après d'accus comme on a fait. Hein. Ouais. En vrai, c'est déjà le cas, mais. Bon, le petit flingue à acide, il aide bien, mais c'est vrai qu'il commence à être un peu limité. Ça reste un flingue. Par contre, avec la confitourelle level 2, on peut peut-être taper le super derrière, on peut la réparer. Donc, a priori, c'est bon de mon côté. Nous, pas vraiment. J'arrive. Ouais, non, c'est chaud là. Je me suis transformé en tour, mais ça va pas suffire. Ah putain. Allez, on nettoie. Utile sur Damned. Ouh, ne passerait toujours pas. Ouh là là, ça pique. Oui. Ah, une confitoire level 2, ça va faire plaisir. Elle marche dans la... Ouais, elle marche dans la pièce éteinte, tes tourelles, je pense. Oui, les petites. Elles ont l'air de bouger, ouais. Bon, bah peut-être ouvrir une porte. ouais. La verte du cristal. Hein, ouais, je dirais la verte du cristal, moi. Allez, let's go. Allez, fumier, j'y vais. Ah. J'y vais. Ok. Moi, j'y vais aussi. Non, tu fais les deux. Je fais les deux, ouais. Je reste à côté du cristal, moi. Vas-y, gère en haut, par là, moi je reste en haut. Je fais la deuxième, c'est bon. Wow, tranquille, okay. Aucune difficulté. Bah, j'avoue qu'avec lui qui court, enfin elle qui court, ça fait plaisir. Bon, limite, c'est presque chaud de viser les portes. Un coffre. Dis-moi qu'il y a un petit flingue dedans parce que je commence vraiment à être dans le mal, moi. Ah, une recette de boisson, bah, écoute. Et ça, c'est un spawn, ça. Hein. Ouais. Spawn de quoi? Je vois pas le truc. C'est vert, là, c'est des blobs. Du... Ouais. C'est les blobs. Bah, je vais mettre un petit truc ici et c'est tout ce qu'on peut faire, donc voilà. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Bah, si c'est tout ce qu'on peut faire, c'est triste. Ah, ouais, bah au moins c'est level 2, c'est ça qu'il faut se dire. Ouais, c'est vrai. Je me suis pris une amélioration pour m'ajouter 20% de dégâts. Hein. C'est pas du luxe. Il y a un truc à collecter là. Mais ça va être chaud du cul, je pense. On peut faire un tir d'acide. Je sais qu'avec un tir d'acide et un confitourelle, on peut tenir une zone de blob comme ça. Ceci étant, on peut le prendre au passage et faire la sortie. Et l'envoyer à la sortie dans la foulée, ouais. Par contre, c'est faisable. Ça va être très chaud. J'ouvre la porte qui est entre les deux, du coup. Ouais. Mais je pense que, ouais, on peut faire ça. Je pense que ça se fait, ouais, ça se fait carrément. Il nous reste d'autres portes. Il y a une porte gratuite, deux portes gratuites. Alors, dites-vous juste qu'en haut, il y a beaucoup de monde qui est généré. Au début, on va être tranquille. À la fin, un moment, il va y avoir beaucoup de monde qui va arriver. Hein. On gère cette vague là avant peut-être. Ouais, on va peut-être pas accumuler trop de vagues. Je reste là, mais vous allez avoir énormément de monde qui va arriver. Hein. Je préfère vous prévenir. C'est fait. Bon, moi je reste avec les trucs là. Si besoin, vous m'appelez, je me téléporte. Hein. Il va peut-être falloir... Allez, j'arrive. Ouais. Ouh, ne passerait pas. Ah, c'est les robots. Aïe, ils vont peut-être passer un peu quand même. Parce que je leur ferai pas beaucoup de dégâts. Hein. Quoique. Ah. Ça va. Lui là, ouais. S'il vous plaît. Attention, le signe. Ouais, y a le gros qui arrive par derrière là. Allez, je vais dessus. J'envoie un petit soin. Il
Après moi ma vie elle va bien donc ça va. Ah non mais c'est vraiment du flamme gloom hein, cette arme hein, c'est... Ah ouais. Ah bah avec la poussée en plus c'est génial hein. Ça aide hein. On va pas dire Bon bah on pourra y aller, y'a plus qu'une porte à ouvrir. Je pensais m'occuper éventuellement des portes gratuites vu que je vais hyper vite. On lance le cristal et puis go, je m'occupe de la porte. Et je vous rejoins. Okay. L'autre porte a été ouverte donc t'as plus que celle-là à faire. Bah du coup y'a plus que celle-là, bah écoute je la fais limite maintenant. Allez. Ah. Oh non. Putain, j'y vais. C'est bon, il y va. Reste là, Dacus, c'est pas la panique, il est trop rapide pour nous. Je l'ai vu sur la carte, j'ai dit ah ouais quand même. Attention, ça y est, lancez-moi ce cristal, go, on dégage. Allez, on collecte hein, pour le moment. Ouais, on est en collecte. On fait un petit click and collect d'abord. C'est insane cette vitesse, le jeu il lag, il sait plus quoi faire. Mais ouais. Même les animations du perso elles suivent pas quoi. Ah bah tu m'étonnes. Et j'allais pas aussi vite il y a 20 secondes quoi. Et je dois avoir un truc qui fait que je vais plus vite quand il y a le cristal ou une connerie du style mais... Je vois pas tes animations mais rien que déjà l'icône... Il est affreux. Il est avec moi donc je l'envoie sur la porte dès qu'il a fini. Pas de soucis. Par contre il y a du monde dans la salle là. Hop. Il faut venir dans la salle hein, de toute façon pour couvrir maintenant. Parfait. Il y en a un petit qui passe derrière, c'est bon il est géré. C'est okay, pas un peu de dégâts, c'est pas très grave. Je vais les bloquer maintenant. Ah putain, je suis pris dans mon truc. Bon, ils arrivent tous par là maintenant. C'est vrai, j'avoue. Attention, robot là. Ouais, c'est bon. Oh, robot. C'est ouvert ? C'est ouvert. Ouais, allez, c'est ouvert. Ouais. À ramasser tant qu'à faire. La porte de sortie est juste là donc ça doit sans doute être le boss de nouveau. Ah ouais comme tout à l'heure hein. Le même hein. Sans doute ouais. Ça rentre. Et on a que 31 d'industrie hein, c'est pas beaucoup. Ouais mais si c'est le boss. Ah bah oui, oui mais c'est le boss. Il faut quand même tenir le spawn. Bah après c'est un spawn de blob. On est plutôt c'est efficace vrai, c'est contre. Un spawn de blob ouais. On a les tourelles là, on peut foutre un petit truc de ralentissement, on a quoi 31 6 comme ça 6 comme ça. Ah par contre c'est 16 la tourelle Yacid, mais bon je pense qu'elle va faire le taf quand même. Bon. Les blobs ils sont immunisés électriques c'est ça? Oui je crois qu'ils aiment bien l'électrique non? C'est ça? Mais c'est horrible ce mouvement, mais pourquoi je vais aussi vite que ça quoi? 25% de vitesse de déplacement quand je ne tire pas et que je subis pas de dégâts. Et c'est tout ce que j'ai au final. Ah non, j'ai un petit 20% de plus là. Ouais, j'ai 45% de vitesse de déplacement en plus. Bah ouais. 12, du coup, je suis à 12 de vitesse. Cette arme. J'adore cette arme. Ah ouais, 5 et 6 vous avez, ouais, effectivement. Ouais. T'es un peu plus rapide. Bon bah. On se lance. Ah bon, on pouvait faire une amélioration sur le cristal? Ah bah oui, on vient de débloquer un collectage, bah oui, exact. C'est vrai. Bon, 20% de défense au robot, j'ai envie de te dire que c'est pas mal. Hein. Ouais, bah c'est très bien, ouais. Ça va être utile. Hein. Ou réduit de 25% la vitesse de déplacement des monstres dans la pièce, réduit de 30% la défense des monstres dans la pièce. C'est mieux. Ça, c'est... Ah bah vu que, ouais, pour le boss, c'est carrément mieux, ouais. Oui, on va mettre ça. Vu la taille de la pièce, je pense qu'on peut se faire plaisir. Ouais. Voilà. Bon bah j'envoie. Oui. J'envoie et je suis de retour sur vous avant qu'il arrive. C'est l'idée. Normalement ça devrait être le même boss mais... Ouais c'est sûr. Bien, c'est sûr. Ouais c'est le même. D'ailleurs il est défendu par des blobs parce que c'est un espèce de blob aussi. Ouais. Je pense. Ah y avait pas... En fait c'est le premier boss, y'avait pas de boss dans les autres open dev. Non. En tout cas, notre connaissance hein. Ouais on est jamais tombé dessus. Alors voilà. C'est vrai que le mail qu'elle nous avait dit, ajoute d'un nouveau boss. Alors t'as l'impression qu'il y en avait déjà en fait, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est ajoute d'un boss. Il va sauter sur le cristal ce coup. Je pense que là, si tu peux sortir ta tourelle pour péter son armure, ça serait pas mal, Damien. Ouais, bah attends, je mets mes petites tourelles déjà. Je vais lancer le truc qu'on a pas fait d'ailleurs. Viens là, cristal, viens là. Ah putain, il va pas assez vite ce coup. Merde. Ouais, il a pas trop le feu quand même, hein, mais. Faut lancer le cristal. Fait. Il y a une tourelle à réparer là. Si j'essaie de les éloigner avec mon feu, hein, c'est ce que je peux faire de mieux, mais. Il
Putain, c'est vrai qu'il est mal tombé, hein. il tanque ses potes, quoi. Attention sur la Ned. Attention. Oh, je souffre. Il fait mal au cristal aussi, c'est ça le problème. Ah mais le cristal est sur moi, putain, oui, d'accord. Le cristal est sur toi, ouais. Non, non, sors vite. Oui. C'est chaud, hein. Ouais, un peu. C'est bon. Ouais, c'est vrai qu'on fait pas gaffe que le cristal est sur quelqu'un, donc en fait, oui. Ouais. Ouais, ok. Bon, bah, on va faire gaffe. Un petit peu de heal. Ça, c'est bon. Et on t'en remercie bien. Et c'est un peu chiant parce que du coup je peux pas vraiment me soigner moi en fait. Bah oui. En fait ça marche pour soigner moi, sauf que j'arrive pas à comprendre comment faire pour me sélectionner. Dès que vous êtes trop proche, ça vous sélectionne automatiquement. Ouais, je crois que t'es obligé, faut que tu t'éloignes en fait. Malheureusement, y a pas de... J'aurais bien aimé que le cristal vise quelqu'un d'autre, j'aurais pu activer ma compétence ultime. Est-ce que je peux le prendre? Non. Non, non. Viens vite mon petit robot. Par contre, dès qu'il est sorti de la zone, je peux peut-être le faire là. Ouais. On met un peu de temps quand même là. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est bon. Allez-y, hein, vous pouvez l'envoyer. J'envoie. On reste pas dans l'excité, ça fait des dégâts en continu. J'adore comme ce robot est lent, et dès qu'il te dit d'aller sur le boss, mais il se téléporte dessus, mais On va pas s'en plaindre, hein. Non, on va pas s'en plaindre. Bon, bah, hé. Une fois que tu connais la strat, c'est ça. Ouais, même c'est sur la planète, on n'a pas vraiment galéré la première fois. Non, ouais, c'est on vrai. Ouais, on s'en est tiré, ouais. On s'en est bien tiré, ouais. Là où c'était un peu plus chaud, c'est que j'ai pas beaucoup d'industrie, donc bon, bah on a pas eu beaucoup de défense. Oh oh, vite, vite, vite. Ouais, mais et... au final, on avait la bonne arme pour buter les blobs. Moi j'avais mon petit pistolet ouais. Acide qui les DPS quand même pas mal. Puis ils étaient vachement ralentis au début aussi, quand ils sortaient là. Avec vraiment... les deux, ouais, les trucs qui ralentissent là. Alors du coup, là samedi, j'ai gagné l'éclat curatif, le déchiqueteur basal et les munitions déchirantes. Ok. Bah moi ça plante à chaque fois, donc... Ouais mais t'avais le plan débloqué toi quand même donc ça plante, oui mais ça me dit vous allez réapparaître dans le saloon mais je peux pas enlever le message donc il faut que je quitte. Ah le hockey marche pas chez toi? Non. J'ai même pas de hockey moi tu vois, j'ai juste un chargement et... Bah moi j'ai un message qui me dit vous avez été désynchro en gros cliquez sur hockey pour revenir au saloon et quand je clique sur hockey et ben... C'est quoi cette connexion de prolétaire que t'as là? Ah ouais, j'ai que la fibre. Oh, j'ai débloqué un plan du coup, éclat curatif soigne 10% du robot cristal pendant la collecte. Ah! Bah, écoute, ah oui, ça donne envie de l'envoyer en collecte du coup. Ok, je le prends et du coup je l'ai équipé sur le robot. Ok, très bien. Et sinon j'ai débloqué les puces de nanosang pour soigner, pour donner plus de vie à Bunker comme t'avais eu. Ouais. Et une amélioration sur le canon électrique. Touche XX cible supplémentaire derrière la première. Ok, XX je sais pas ce que c'est. Bah ouais, normalement c'est X égale quelque chose, mais... Ouais, c'est genre XX étant votre astuce par exemple, un truc du style j'imagine. Oui. Voilà, c'est pareil, je peux augmenter le taser, il augmente de XX% les chances de coup critique de l'arme. Donc il doit y avoir des trucs pas encore terminés tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est pour te dire, ouais, on a des idées, voilà, on fera ça, mais... Mais elle est sympa cette petite open dev en tout cas. Ouais, carrément, ouais. C'est bien amusé dessus. Puis bon, en vrai, une partie où on a perdu parce que tu connaissais pas trop les principes, enfin, tu avais vu des vidéos mais tu avais pas joué, puis après, on a le trio infernal à parler. Hein. Ouais, clairement, oui, ça s'est senti. Ouais. Alors, du coup, on a débloqué la dernière recette, le kit détox. Applique les effets suivants pendant 15 secondes lorsqu'on utilise un kit de soins. Plus 50% de défense, 20% de cadence de tir, 50% de dégâts d'attaque, 20% de vitesse de déplacement. Oui. Ah là, c'est du pur buff pour le coup. Ah là, c'est du pur buff. Ouais. Par contre, c'est faut utiliser des kits de soins. C'est quand même pas gratuit. Non, c'est sûr. Et on a l'étranger qui est apparu. Ouais, c'est vrai ça. Qu'est-ce qu'il dit? On a débloqué des nouveaux trucs. Pas de nouveaux héros a priori. Non. Ouais, il va y avoir des trucs. Depuis tout à l'heure, j'étais sur concert. Il y a une musique spéciale. Et on entend juste une guitare, et quand tu regardes sur la scène, il y a juste le guitariste. Les autres sont pas là. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. J'ai juste. Depuis tout à l'heure, j'étais bloqué devant, je dis, mais. Il manque des trucs là. C'est vrai, petit solo tranquille de guitare. Ouais, ouais.
Non mais je pense qu'ils vont nous faire encore Ouais, ils vont bien améliorer, ils vont finir d'améliorer tout ça et puis ça va être sympa. Et on a eu des petits messages comme quoi on avait réussi à réparer l'antigravité, donc ça se trouve on peut peut-être même faire un autre étage de plus hein. Bah ouais, c'est pas clairement dit par contre, mais Puis je reprends mais le mail, mais après, je crois pas qu'il y avait plus sur le mail hein. Je pense que l'open dev de toute façon elle a ses limites là. Ouais. Faut pas non plus. Mais il y a des contenus pour la sortie du jeu, je pense aussi. Ouais. C'est ça. Non, franchement, plutôt un bon feeling. Moi, je vais aller remplir le questionnaire, mais je pense que c'est plutôt pas mal. C'était franchement cool. C'est ça. Du coup, je vais peut-être arrêter la VOD là. Ouais, tu peux. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, n'hésitez pas. Et vous deux, merci, dites au revoir monde, à la VOD, tout simplement. Ok, au revoir, tout simplement. Ciao. Allez, ciao.